Ça va? Alors, j'avais envie de parler aujourd'hui, de parler de comment transformer le négatif en positif. Comment on peut le transformer? Tout simplement en ayant des pensées positives. En se disant, ok, moi je peux vous parler de mes expériences, mais je n'ai pas vraiment envie d'en parler. Mais ce que je peux vous dire, c'est que tout simplement, parce que je sais que j'ai compris que sur YouTube, il ne faut pas trop raconter sa vie, parce que quand on raconte trop sa vie, après on est étalé, donc je n'ai pas envie. Mais par contre, je vous donne mes petites bribes, des choses que j'aime vous partager. J'aime partager ma joie de vivre, j'aime partager ma bonne humeur. Quoi qu'il advienne, le sourire est toujours là. Même, juste vous dire un truc, moi je me suis dit un jour, si un jour, mon fils avait plein de problèmes dans sa vie, je préférerais vivre et dormir dans des cartons. C'est une métaphore, ça n'a rien à voir, hein, c'est quelque chose d'imaginaire. Mais je veux dire, c'est comme ça, je positive tout le temps, voilà. J'ai pas trop envie, je vous dis, bon, vous savez, donc ça je peux le dire, j'ai eu un cancer du sein, eh bien j'ai positivé. Quand j'étais dans la salle pour me faire opérer, il m'a dit, vous êtes sûr que je vais vous enlever le sein et que je vais vous opérer? Je lui ai dit oui. Il me dit, non mais je vous ai dit que je vous enlevais le sein, peut-être. Hein. Je lui ai dit oui, je sais. Il dit, mais vous avez le sourire. Je lui ai dit, et alors, je ne vais pas pleurer. Je lui ai dit, vous allez me sauver et si vous ne me sauvez pas, c'est parce que c'est le destin. Mais à quoi ça sert de pleurer? Je pleure. Je pleure quand il y a de la peine, mais je remonte tout de suite, peu de temps après. Parce que je me dis, ben, les choses qui sont négatives, il faut que je les transforme en positives. Alors peut-être aussi c'est le bouddhisme de Nichiren Daishonin qui m'a beaucoup aidée, je ne sais pas. Je me remets à pratiquer, ça y est, je me remets à pratiquer le bouddhisme. C'est super important pour moi, parce que ça fait une sorte de méditation quand vous faites Nam-myo-renge-kyo, c'est tout simplement une méditation, c'est un mantra que pendant ce temps-là, vous ne pensez à rien, vous pensez qu'à dire Nam-myo-renge-kyo, voilà, je me dédie à la loi, tout simplement. Mais voilà, mais ce sont des choses que je voulais vous parler. C'est très important de positiver, de ne pas de se plaindre, on peut se plaindre, mais à un moment donné, il faut aussi être positif dans la vie, quoi. Vous voyez, moi j'ai un chat, mais elle n'est pas câline. J'aimerais qu'elle soit câline, mais c'est pas grave. Hein, mon bébé, dis tout. Tu fais? Qu'est-ce qu'il y a? Tu râles? Quoi? Tu râles? Tu dis quoi, maman, mon bébé? C'est une râleuse. Voilà, mais positiver. Trouvez toujours quelque chose, même si dans la vie rien ne va, pensez toujours qu'il y a pire que vous. C'est ça qui m'a aidé moi, qu'il y a pire que moi. Quand j'étais dans le couloir de l'hôpital, mais c'est ma nature aussi, c'est ma nature d'être positive, hein, je suis comme ça. Hein. Quand j'étais dans le couloir de l'hôpital et que j'attendais pour me faire opérer, pour qu'on m'enlève le sein et que c'était un cancer, hein, je pouvais mourir, hein, voilà, eh bien, on ne peut pas savoir, eh bien, j'étais bien, je n'ai pas pensé une seconde à quoi que ce soit, je veux dire, après, c'est chacun fait comme, chacun a son ressenti, chacun a sa façon de penser, ça je peux le concevoir, mais honnêtement, c'est important, moi c'est ça que je veux sur ma chaîne, c'est vous donner la positivité, vous donner la joie et vous donner la bonne humeur surtout. Et surtout, que vous ne vous enfonciez pas, que vous pensez pas à des choses négatives. La vie est comme ça. Si c'est le destin, si c'est comme ça, eh ben c'est comme ça. Et puis c'est tout. Mais continuez à vivre, continuez à être heureux, même si... Vous voyez, regardez-moi, quand je vous dis mon leitmotiv, c'est ça, regardez. Je ne sais pas si vous allez le voir. Le smile. Voilà. Ça fait des années que je l'ai. Voilà. Et je l'ai toujours. Je crois que je suis née comme ça d'ailleurs. Je suis née avec le sourire. Non, j'avais le cordon autour du cou. Bref. Mais en tout cas, voilà. C'était juste un petit moment. Je vais essayer de faire des petits moments comme ça. De positivité. Positiver, votre journée va être belle. Si elle n'est pas belle, pensez des choses positives que vous avez vues,
que vous avez vécu. On vous a dit vous êtes jolie aujourd'hui, on vous a dit oh tiens, ben, tiens dis donc, oh c'est sympa ce que tu as fait. Des compliments, pensez aux compliments, oubliez le négatif, pensez qu'au positif, avec le smile. Voilà, c'était ma pensée du jour. Voilà, petite pensée du jour. Peut-être tous les jours, je vous ferai une petite pensée comme ça. Allez, sur ce, petit pouce, abonnez-vous, mettez des commentaires parce que nous allons pouvoir converser ensemble, discuter ensemble, toi et moi. Et je te dis, bye !